une vingtaine de gendarmes postés au niveau du hub du lycée de Kahani, de nouvelles caméras de vidéosurveillance ou encore une clôture renforcée. Pour ce jour de rentrée, le dispositif sécuritaire était au rendez-vous. De quoi rassurer les élèves et les habitants de la localité, habitués des scènes de guérilla, mais tous veulent voir ces mesures se pérenniser. Aujourd'hui, je trouve que c'est bien parce qu'on avait besoin. On avait besoin tous les jours, on se casse, tout et tout. On avait même crevé à cause de ça. Après aujourd'hui, je préfère ça. Et j'espère que ça continuera juste comme ça. C'est pas juste pas aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien qu'il reste ici en permanence. Parce qu'on n'est pas rassuré à chaque fois. En tout cas, très souvent, on se fait caillasser, on entend des cris. Et c'est stressant. Ils sont là pour le bien du village. C'est pour notre bien. J'aimerais bien que l'on renforce ce dispositif avec des hommes supplémentaires. En plus des gendarmes, la préfecture a fait appel à une association du chef-lieu, Action Coup de Pouce, des médiateurs censés raisonner les délinquants. Nous sommes dans la médiation. On discute beaucoup avec les jeunes et avec bienveillance. L'idée, c'est de les éloigner de la délinquance. Jusqu'en fin de semaine, au moins, les forces de l'ordre seront présentes sur ce site. Mais qu'en sera-t-il en leur absence? Les médiateurs non armés et non formés au métier de la sécurité ne suffiront certainement pas à faire reculer des bandes de jeunes déterminés.